Les quotas, c'est mon dernier jour aujourd'hui. Après, c'est mon jour de repos. Demain, c'est mon jour de repos. La moto, c'est aussi la balata. Bah, moi, je vais traverser. Je suis fatigué. Ouh. Regardez à l'heure qu'elle rentre chez moi. Je devais finir normalement à minuit, mais. Je devais finir à minuit. Moi, bon, vous savez que c'est Pâques et puis c'est le soir, c'est dimanche. J'ai eu 10 euros de pourboire. C'est toujours ça. Oh là là. Je sais même pas ce qu'elle avait chez moi-même. Demain, c'est mon jour de repos. Regarde à l'heure qu'elle rentre chez moi. J'ai 10 euros de pourboire. 10 euros. Ah oui, je rentre chez moi. C'est ça qui est ça. Je rentre chez moi. Demain, je ne travaille pas. Demain, je vais laver ma tenue du travail. Je vais porter la deuxième. Parce que commence mardi, comment je suis du matin. Mais j'ai deux longs week-ends. Le week-end prochain, j'ai fini tard. Hier, j'ai fini à quasiment presque minuit. Non, j'ai fini même à minuit hier. J'ai commencé à 18h, j'ai fini à minuit hier. Aujourd'hui, j'ai fini à 23h. Donc, ça va. Parce qu'il n'y avait plus de clients. Et on ferme la cuisine à 23h. Mais j'ai mes 10 euros de pouvoir. Voilà maintenant ma vie que je vous montre sur Facebook. C'est dimanche. Moi, je travaille le week-end. Il n'y a que le lundi qui n'est pas mon jour férié. Voilà. Hein? Comment tu vois? Moi, j'ai mangé quoi ce soir? Vous n'avez pas vu ce que j'ai mangé au restaurant? J'ai mangé quoi? J'ai mangé l'haricot vert, une belle entrecôte. Ouais, je travaille dans un restaurant. Nous, on mange ce qu'on veut. En fait, on a le système que je sais pas si c'est par mois. On a le droit de manger ce qu'on veut à la cuisine. Voilà. Et chacun fait lui-même. J'ai bien mangé. Maman, c'est fatigant, mais ça fait du bien de sortir, aller travailler. Bon, ce qui est bien, je n'ai pas de très longues journées. Bon, lundi, non, mardi plutôt. Mardi, je commence à 10h15. C'est moi qui fais l'ouverture. Donc, on va commencer par le ménage, tout, etc. Manger à 11h30. Midi, on commence à servir. Et je finis à 15h30. Donc, ça me permet de faire ce que je veux après. Mais d'ici un mois, je vais m'habituer. Ça va. Que de rester à la maison, non, les côtés. Je vais rester faire quoi à la maison? Mettez le cœur pour moi. Hein? Je vais rester faire quoi à la maison? Je pointe ma journée. Je pointe ma journée. Je vais vivre, comment tu vas avoir soi? Je pointe ma journée. Je rentre chez moi. Le 5, j'ai ma fiche de paye, j'ai mon salaire. Oui, le 5, j'ai mon salaire. Je suis fatigué, mais c'est une bonne fatigue. Ce n'est pas les fatigues que tu es là, tu cours dans des villes en ville. Ce n'est pas les fatigues que tu es couché. Tu vas t'aligner à la CAF comme ça. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi. Après, tu entends les gens là, qui manquent manger la haine de l'État. Toi, tu te lèves le matin, tu vas faire la queue à la CAF. Tu restes même 3 heures, 2 heures. Moi, je travaille debout. Hein. Je vous dis que depuis que je suis quitté de chez moi, je ne me suis même pas assis une fois. Je suis debout depuis 18 heures. Depuis que j'ai fait manger, quand j'ai commencé le service à 18h30, jusqu'à maintenant, nous on ne s'assoit pas. Nous on ne s'assoit pas. Il y a les jours que les gens ont commencé le matin, jusqu'au soir, les longues journées. Nous on ne s'assoit pas. Quand je vois les gens qui planifient, oui, je suis parti à la CAF, elle va à la CAF. Il y avait le manque déjà attendu jusqu'à la fatigue de ça. Tu es fatigué que c'est ça sur le travail. Nous alors, on va te dire quoi? Moi, je vais dire quoi? Je cours derrière avec les couverts, fais-moi voir. Oh, j'ai servi au moins 50 tables. Depuis 18h30, je suis debout. Voilà. Je travaille debout. On ne s'assoit pas quand tu es serveur. On ne s'assoit pas. C'est interdit de s'asseoir. Même pas que c'est interdit, tu n'as même pas le temps même. Tu n'as même pas le temps. Même pour prendre une petite pause de café, bon, si tu es bien, nous, on peut boire le jus qu'on veut. On peut boire le café comme on veut. Nous, on fait ce qu'on a, ce qu'on veut. Depuis ma situation, je n'ai pas. Comment tu vas, ma chérie? Bonsoir. C'est mon jour de repos demain. Je suis arrivé chez moi, je suis démarché jusqu'à chez moi. Oui, quand je vois les gens, oui, je suis fatigué. Tu es fatigué, tu as travaillé quoi? Nous, alors, nous sommes debout depuis là. Tu entends seulement que oui, on est parti à la CAF. Qu'est-ce que tu as fait pour être fatigué? Oh, je suis parti à la CAF. Après la CAF, je suis parti au truc. Après, Michel de Mich, Mich de Mich, merci. Après la CAF, j'ai dû partir là-bas. Je suis parti au secours catholique. Je suis monté, j'ai descendu. Et voilà donc que Macron a dit que le RS va couper.
Le RSA va couper. C'est vrai que si tu ne travailles pas, en janvier, on te donne février, on te donne mars, on commence à diminuer. Après, si tu ne travailles pas, on arrête. Il faut travailler maintenant. Bon, moi, je m'en foutais, je n'avais même pas le RSA, donc je m'en foutais du RSA. Mais par contre, maintenant, j'ai beaucoup de dignité. Je marche, mais beaucoup de grandeur, beaucoup de fierté. Je gonfle même la poitrine. Parce que je suis important maintenant pour la société. Je regarde à l'heure qu'elle rentre chez moi. Je suis maintenant important. Et mon argent, je vais le gagner maintenant dignement. Et c'est une fierté. Donc, quand j'entends les gens qui disent que oui, franchement, vraiment, mais. Et moi, il y avait un qui m'a carrément dit qu'il ne peut jamais travailler, lui. Et comment faire? Si tu savais même ce que tu dis, les. Ben, comment ça devient dangereux, hein? Oui. Tu ne travailles pas, tu comptes sur quoi? Ah. Tu ne travailles pas, tu comptes sur quoi? La France a envie d'arrêter tout le système social. Oui. Bah, moi, je n'avais pas ce problème-là, donc je n'ai même jamais eu ce problème-là. Mais vous voyez, cette démarche, je me la pète même parce que je sais que je sors travailler. Je me la pète. Je me la pète et je suis fier de me la péter. Je sors travailler. Je rentre chez moi dignement. Merci pour les cœurs. Je rentre chez moi dignement. C'est que sur la fin du mois, j'ai mon argent. C'est que je gagne un peu derrière, ce n'est pas grave, mais moi, je travaille. Oui. Et c'est mon argent. Mon argent est justifié maintenant. Oui. Il y a un début à tout. Hein. Oui. Il faut bien se lever, hein, être important pour la société. Hein. Je suis très fier quand on se présente. Bon, moi, j'ai des super collègues hein, qui sont très cool. Très gentil, on a une très bonne équipe. Bon, ça va du monde, justement. Je suis débutant, nous sommes deux débutants. Et ça me fait plaisir quand on m'a dit de quelle origine je suis Camerounais. Je suis le seul Camerounais. Ça fait plaisir. Au moins, on m'a dit, on a un collègue Camerounais. On dit que tu es trop marrant. J'ai eu 10 euros aujourd'hui de pourboire. C'est deux tables de jeu. Ils m'ont donné 5 euros. Ils allaient dire à mon patron, hé, vraiment, même il y a. Vous savez, il y a les. Moi, franchement. Comment tu vas? Vous êtes avec vos affaires de camion. Vous m'avez vu dans le camion. Hein? Vous m'avez vu. Vous voyez, moi je rentre chez moi seul. Je fais le camion. À part de me tuer du camion. Aller chez moi. Chez moi, avec si blanche. Le camion. Vous êtes toi, toujours toi. Et ton histoire de camion aussi. Je suis arrivé chez moi. C'est le chez moi. Mais ouvrez-moi la porte, non. C'est que je sorte mon chien. Ça fait plaisir. Il n'a pas ouvert. Mon chien aboie là-bas en haut. Je monte chez. Hey, pardon, je l'ai fermé, fous-moi le camp. Voici mon chien qui me suit. Je monte chez moi. Je monte chez moi. Ma maison de la gloire glorieuse. Ne parlez pas, je suis en direct. J'ai vu ce long jour. Il est sorti. Vous l'avez sorti. Attends, il est sorti. Attendez, il est sorti mon chien. N'écoutez pas. Attends, un peu. Ouais, tu es content de quoi? Ouais, je suis travaillé. Je suis obligé de. Lui, on a fermé. On a fermé. J'ai fini à 3h. Ouais,
Après, je fais des manches aussi. Je mange très bien. Voilà. J'attends d'abord qu'au bout de 6 mois, j'ai le droit de demander mon HLM avec le 1% patronat. Je travaille. Regardez, j'ai vite fini aujourd'hui. Oui, j'ai vite fini aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai vite fini aujourd'hui. Fini la balade. Le bon mot, enfin. Oh. La France dit maintenant que les RSA, on va arrêter si tu ne travailles pas où? Allocation, on va tout déduire. Maintenant, on surveille même déjà les trucs. Ceux qui voyageaient, ils ont constaté que les gens voyageaient sans les. Je vais quand même aller pour. Attendez, je vais promener mon chat en même temps avec vous. Normalement, mais je suis quand même humain. Il est quand même presque 23 minuit. Il est quand même presque minuit. Une personne normale restée comme ça sans pisser. Même si c'est vous-même. Non, non, je ne peux pas. Je vais sans monter, il faut me reposer. Demain, je ne travaille pas. Demain, voilà, je vais chercher à attacher les mesures à demain. Mais écoutez, vous dites que me voici alors comme aussi encore proposé encore notre travail. J'ai un entretien mercredi à 15h30. Bon, si c'est bien payé, pourquoi pas? Toujours dans la restauration que vous entendez ici. Mais plus un peu loin de chez moi. Mais ça dépend. Si c'est que c'est bien payé, si là-bas c'est mieux, j'ai beaucoup d'avantages et que j'ai plus d'heures de boulot, bah pourquoi pas. Moi j'ai postulé beaucoup, hein. Maintenant je travaille, non. Vous allez me sentir avec mon travail ici. Vous ne me connaissez pas, Nabalata. Je vais vous montrer que l'histoire retiendra que on peut se lever maintenant chercher le boulot. Il y a le boulot en France, dis donc. Moi, j'ai trouvé à moins de 2 semaines ici. Il y a le boulot en France. J'ai encore entretien même. Normalement, c'est mercredi après-midi. Oui, c'est un restaurant français. C'est un restaurant français. Donc, si la vie me dit que CDI, 35 heures, écoute, je prends Balata. Parce que moi, j'aurai plus d'argent. Mais si je prends, elle a dit que je commence début du mois prochain, comme ça, je finis ici, là. Je vous dis, ça me donne 35 heures. Hé, hey, maman, qui va refuser 35 heures pour rester là où il y a 28 heures, maman? Pardon, c'est l'argent que moi je cherche. Mais pour l'instant, je suis bien. J'ai 10 euros de pourboire hier. Hier, j'ai eu 5 euros. Hein. 5 euros plus aujourd'hui, 15 euros déjà en tout. Mais ce qui est bien, c'est que il y a soit les jours où j'ai une collègue qui a eu 30 euros. Qui a eu 30 euros. Bon, par contre, ce qui est bien avec moi, où je travaille beaucoup de clients, même beaucoup, ils disent toujours, oh Raphaël, tu de rire. Oh Raphaël, tu vous as comme tu de rigoler. C'est ma collègue qui s'appelle Vanessa. Vanessa me dit aujourd'hui que mais toi tu es toujours en train de rigoler, tu es toujours en train de sourire. Je dis mais il faut toujours sourire. Hein. Quand la vie est belle, elle est belle. Hein. Pourquoi je vais me prendre la tête? Je vais m'énerver, pourquoi? Moi je prends les hommes, il y a une bande de vieilles dames bah, qui ont refusé que je les serve. Mais je n'ai pas mal pris. Si tu es raciste, c'est pour toi là-bas. Bon, là tu as haché. Allons y va. Si tu es raciste, c'est pour toi là-bas. Si tu ne veux pas que tu te serves, j'ai appelé gentiment ma collègue Lana. Et Lana est venue servir. Et voilà. J'ai compris qu'elle ne voulait pas. Pourquoi je me prends la tête?
Je suis allé chercher mon travail, mon agent. Je ne suis pas venu gérer les états d'âme des gens. Oui, non, non, je ne gère pas les états d'âme. Aujourd'hui, oui, bon, pour l'instant, mon patron m'a dit que le 35 heures, ça va venir au bout de 8 mois. Déjà, c'est même pas 35 heures, je vais remonter à avoir 30 heures. Bon, pour l'instant, j'ai quand même, franchement, j'aurais du mal à partir de là parce que je m'entends bien avec mes collègues, c'est super sympa. On est deux fois, on rigole. Oh, Raphaël, je dis oui, et toi, comment tu vas? Oh, Marco, comment tu vas? Oh, non, mais franchement, et on n'est que des jeunes, ça qui est bien. Oh là. Et comment tu vas? Et même, tu sais, comme vous savez que là-bas, on se tutoie, nous tous. Même mon responsable dit, oh Thierry, comment tu vas Raphaël? Je me suis dit, vous, on dit, non, 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 tu ne me vois pas, tu me tutoies. En fait, on s'entend bien. On s'entend bien à la cuisine, au ceci. Oh, et puis ce que je peux boire mon café tranquille. Je peux boire mon. Pas le vin, par contre, on ne boit pas le vin là-bas. Je peux boire mon jus, le coca. Bon, vous savez, c'est un travail qu'on est là-bas, on est toujours debout. Hein. Tu as un truc senti. Bon, puis ça le ici, encore un pas. Oui, vous savez, c'est un travail qu'on reste beaucoup debout. Parce que depuis que je suis quitté chez moi, quand vous avez vu que j'ai filmé la viande là, c'est où j'étais seulement assis pour manger, j'ai 30 minutes de pause. Hein. Depuis 18h30, je m'assois encore là, c'est maintenant là. C'est un boulot pénible parce qu'on est debout. On est H24 debout. Donc quand je vois une bande des immigrés, je vais me dire, vous insultez même. Quand je vois une bande des immigrés qui sont là, qui disent que je suis fatigué, hein. Je suis fatigué parce que j'ai trop, je suis resté longtemps debout à la table. J'ai beaucoup marché. Tu sais ce qu'on appelle la restauration. Oh. Je suis fatigué, hein. J'ai trop marché. Tu as marché que tu as fait. Moi, c'est l'éclat, 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 l'éclat. Moi, c'est l'éclat. J'aime bien souvent quand je vais soir, je me regarde ici, t'es pas au boulot. Je sais pas me regarder comme ça. J'aime que tu me regardes comme ça, je me dis que voilà. J'aime bien. Et comme tu vas rester fatigué, tu es fatigué, tu as travaillé quoi? Moi, je suis debout depuis. Et je travaille debout. Et vous courez. Vous courez. Il faut savoir gérer ton rang. Maman, je suis très fatigué. D'autres même qui dorment, qui te disent qu'ils sont fatigués. La fatigue, non. Tu fais quoi? J'étais couché. Même quand tu dors, tu es fatigué. Non, les émigrés. Et même là, vous lavez, ils m'en foutent. Travaille. Mais faites ce que vous voulez. Moi, je travaille à du work. À du working. Que déjà, ma femme. Ça fait votre bande d'immigrés, les immigrés qui ne veulent rien faire là, c'est pour vous là-bas. Je m'en fous. Je ferme d'abord la fenêtre. Ah, la fenêtre, la porte. La porte, c'est compliqué, d'ailleurs. Les bandes des immigrés qui viennent nous emmerder ici là-dessus. Je peux me dire, vous insistez, mais ma femme ne travaille pas. Attends, je vais arriver. Les immigrés qui nous emmerdent ici tous les jours. Je suis fatigué. Je suis fatigué, toi, tu travailles quoi? Moi, je travaille debout, je vous le dis, ça, je vous dis ça même 1000 fois. Je suis fatigué. Mais la fatigue, il fait trop chaud. Il fait chaud, tu es censé aller travailler. Là, parce que mon sens du travail, je n'avais pas dit que
Bon, vous voyez, ça c'est mon petit bouchon obligatoire. Buffalo. Pour ouvrir le vin. Et les trucs. J'ai même mon pouvoir dedans. Ok, j'ai mis mon badge. Vous voyez, voici mon badge. Buffalo, c'est ça que badge quand j'arrive tôt. Quand je pars tôt. C'est ça. Ne dites pas que oh, Harris. Voilà ça. Le travail. Je me la pète. Je me la pète. Là-bas, ça fait du bien, écoute, ça fait du bien. Quand tu as comme ça, tu as une bonne fatigue. Tu as la télé chez toi, comme ça, demain, tu ne travailles pas, c'est bien. Mais mardi ou dimanche, 6 jours non-stop. Mais ça fait du bien. Oh, ceux qui ne travaillent pas là, les chômeurs et les chômeuses, allez travailler. Vous n'êtes pas venu en Europe pour vendre le piment, allez travailler. Il ne peut pas mal travailler. Et hey, pardon, l'argent que tu vas faire là, K5, parce qu'il y a des heures sup qui est fait. Donc, en un mois, pas manquer moins de 1000 et quelques. Les heures sup, fait beaucoup de heures sup quand même. Oui, tu es allé travailler pour 1300, 1200. Allez travailler. Comment ça va être ça? On voit. Même si c'est dangereux ça, mais les pères font continuer même si je veux. Les pères font ce qu'ils veulent. Ils peuvent m'engager s'ils veulent. Par exemple, l'agent sup, maintenant le mois. Voilà ce qu'on appelle la vraie vie de mec. Oui. C'est toi qui es là, c'est toi qui stresse, c'est toi qui fais. Hey, pardon, ne m'attendez même plus là-bas. Laissez-moi attendre, j'ai une grosse diable aux yeux. Coucou. Chantou de Bruxelles. Merci de vous, merci de repos. Je viens de finir, je suis de travailler il n'y a pas longtemps. Le goût de ça, maman. Tu peux manger des crèmes brûlées. Comment? Tu peux manger ce que tu veux. Oh, et je mange bien. Bon domba poisson. Vos héros là. Je ne suis plus avec vous. Je suis quoi manger? Une autre digne de ce nom. Je mange américain. Balata. Je mange américain. C'est notre nom en cuisine que américain. Je suis en France. Je m'attends, je précise bien que je suis en France. Je n'ai pas que je suis au Cameroun. Je suis en France et je suis fier. Et je mange américain. Voilà. Je suis un benguiste. Il ne faut pas se mentir. Je suis un benguiste satisfait. Je travaille. Vous, vous travaillez où? Travaillez aussi. Je travaille dans la balata. Un benguiste attitré. Ne me cherchez plus là-bas de prime, là, dis donc. Votre prime, là, ne me cherchez plus là-bas. Le Congo, ça, la diffamation, les trucs bêtes. Chez nous, chez les blancs, où je suis là-bas, on ne fait pas pour le Congo, ça. On parle le boulot. C'est celui de la table numéro 5, c'était à moi, oui, oui, t'inquiète, je me cherchais. On parle au boulot, il n'y a même pas. Des fois, on peut se faire des petites vannes, mais il n'y a pas. Vous voyez là comment j'ai évolué. Je vous dis que je ne veux plus rester sans travailler. Je quitte là, je cherche, je prends notre boulot. C'est bien de travailler, vous ne mentez pas. Je ne peux plus jamais, je scelle ce nom de Jésus. Je scelle ce nom de Jésus. Restez en France à cause de travailler. Je ne peux plus. Ça a un goût. Écoute, fais-moi voir quand je marche, même qu'il n'y a pas au boulot. Je me sens. Mes collègues m'ont dit que je la raconte, même quand elle marche. Fais-moi voir même le plateau. Je suis fier de servir les clients. J'étais client avant, maintenant je ne suis plus client. Maintenant c'est moi qui sais. Balata. La main s'y porte. Normal, pas de quoi ça. J'ai tout mon truc ici, j'ai tout mon esprit aussi, mon mouchoir ici. C'est quoi l'esprit là, la serviette ici. Et c'est là, dès que je disais, il y a le feu, il fallait prendre les fonds. Il faut connaître les apéros. Tu mets, ah non, et je dresse, et maintenant je connais adresser à ta mère, vite, vite, maman, je connais adresser à ta mère, avant je ne connaissais pas adresser à ta maman, déjà tout est du côté droit, le couteau du côté droit. Et c'est, je vous dis, j'ai dressé au même 50 tables, je fais, dès que un fini, tu ne vas jamais aller, poubelle, parce qu'à la fin, on a ce qu'on appelle le plan, le service, on a ce qu'on appelle le service. Le service, c'est par table. Les consignes, pardon, les consignes. Les consignes, quand vous arrivez, vous savez que bon, quand vous avez fini, nous, par exemple, on a vidé les poubelles aujourd'hui. Notre poubelle, parce que vous verrez votre poubelle et chaque personne son truc. Tu vides les poubelles, tu nettoies, vous balayez, vous nettoyez les tables, vous laissez impeccable. Et on a fait quoi? On a lavé en côté de la cuisine parce que dans les vrais restaurants, les femmes de ménage, c'est nous-mêmes qui servons. Qui nettoie, même en cuisine, chacun nettoie, chacun son rôle. Les consignes.
Mais vous dites que c'est un métier qui est difficile quand même. Ça va la force de le faire. Par contre, moi, ça me correspond. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a du monde. Il y a du monde, on rigole et tout. Et je ne gère pas les états d'âme. Je pensais qu'il y avait une table là des mamies là. Ils ne voulaient pas qu'elle essaie. Moi, je n'ai pas compris. Il faut savoir que dans le travail, hein. Il y en a qui sont gentils. Il y en a qui ne sont pas gentils. Moi, tout à l'heure, par exemple, je me rappelle, il y avait une rousse. Peut-être qu'elle rigolait avec une autre table. Mais elle n'était même pas de mon côté. Elle était du côté de Mandy. Moi, j'étais juste avec Vanessa. Donc, du coup, elle était de sourire. Il rigolait avec le client, puis je souriais. Mais la rousse, là, m'a regardé du genre. Quand ma tête a dit que tu es jalouse de ma joie de vivre, moi, je n'ai rien à foutre de toi. Et qu'est-ce que, au final, la table m'a donné 5 euros. Oh, ah! Oh, ah! Ça, c'est ce qu'on a. Je suis même fier d'avoir ça, mais 10 euros, mais 5 euros, mais 3 euros de pourboire. Il y a des jours, on peut te donner même 20 euros, 50 euros. Et je compte 26 euros, et je compte qu'il t'avait 20 euros, 30 euros. Mais je suis tellement fier. C'est ce que je travaille, je n'ai 10 doigts. Et oui. Je marche en route, je me la pète. Tu me parles en route, tu dis que tu travailles où? Je travaille pour la République française. C'est quoi ça pour les pieds? C'est comme si je marche. Je travaille pour la République française. Nabalata. Oui. Si tu ne travailles pas, mais tu ne vaux rien devant moi, dis donc. Moi, je dis ça au. Tu ne travailles pas, mais tu ne vaux rien devant moi. Moi, je travaille. Je suis salarié. Fais-moi la formation, là, on serait pareil. Prenez le match si vous voulez, je m'en fous. Si tu, non, si tu es en formation, tu vas à l'école, oui. Mais si tu es couché, que tu ne travailles pas, mais tu ne vaux rien devant moi. Je le dis, oh, ah. Venez me taper, puis ça ne chauffe pas. Chacun son numéro. J'ai travaillé mon argent. Je pourrais te m'ajouter au moins mes 50, 60 euros par jour, c'est bon. Oui. En plus, j'ai la mutuelle. Parce que quand tu ne travailles pas, tu as la CMU. Tout est gratuit. Moi, je paye quand même une petite partie, on me rembourse. Oui. J'ai la mutuelle. Payé par mon entreprise, mon patron. Parce qu'il y en a que d'autres qui ont déduit 50%. Mais nous, ils se prient en charge. Non. Ce n'est pas pris en charge. C'est pris à 50% par l'employeur et 50% ont déduit dans mon salaire. Donc, je cotise. Quand ma fille, je paye, va tomber, je vous montrer. Je suis tellement fier de mon travail. Même si je risque mes quotas, même si demain je ne suis plus là-bas, je ne peux plus rester en France sans travailler. Je pars en formation. Ça me dépasse, je pars en formation. Je ne peux plus rester dormir chez moi. Ça me dépasse, je pars en formation. Je ne sais que travailler. Je fais quoi là? Ouais, pourquoi tu es sérieux de toi travailler pour gagner combien? Mais j'ai travaillé pour gagner mon argent. C'est un argent double, puisqu'il y a mon argent normal, il y a la retraite dedans encore. Et c'est un agent sûr. Est-ce que le travail trompe à l'autre? C'est au pays qu'il y a des gens qui ne payent pas. Ici, on paye pas la carte. C'est mon jour de repos. Marie Irène Bénédiction, bah oui, je travaille bien. Je travaille. Maman, même c'est le ménage, c'est le travail. Quelqu'un peut se mettre devant moi encore pour me dire que vous arrivez qui? Je vais te demander que tu travailles. Puisque moi, je travaille chez Buffalo. Toi, tu travailles. Ou si tu me dis, je suis à la recherche, alors ferme ta bouche. C'est tout. C'est tout. Quand moi, c'est bien fatigué, je vois mon ventre couché là chez moi. Je regarde la télé. Ça fait du bien. Je sais que tous les jours, je prends mon argent. Et le temps passe vite. Et le boulot passe vite aussi. Quand tu es au boulot, les heures passent vite. Surtout quand tu aimes ce que tu fais. En tout cas, moi, au début, je stressais un peu. Je stressais un peu, mais je disais que ouais, je vais voir les qui là-bas. Mais maintenant, non. J'arrive même avant. Et comme je marche aller-retour, c'est un boulot que j'aime beaucoup. J'espère seulement qu'il va rester pour longtemps. S'il ne me manque pas vu les heures, je cherche au travail. Oh, voilà un travailleur qui profite dans la veille de son repos. Il boit son vin chez lui. Quand tu ne travailles pas, tu as dit que les faux profils ont dit que l'autre a fait que gna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 gn
On va leur faire comment? Oh, ça fait du bien. Quand tu sors, tu rentres chez toi, ton âge, tu es content. Tu as travaillé, ton argent, tu as pointé ta journée. Maintenant, c'est venu ma le bricole ici, si je veux. Tellement fatigué. Même. Quand tu veux venir jouer, parce que je sors du travail, donc je suis content d'aller travailler. Je vais te laver demain, je vais te faire un bon shampoing demain. Un bon petit shampoing. Pourquoi tu joues comme ça? Ben, tu m'as dit, viens, il est content. Hein? Comme je travaille, il est content. Il a mangé le pâté. Le pâté. Je travaille, mon chien, moi, c'est que son papa. Viens, il est content. Et je vais dire, regardez, il est content. Il est content. Oh, je travaille là-bas, là, car il est content. Regardez comme il est content. On peut être content comme ça là. Regardez comme il est content. On peut être content comme ça, Adama. On peut être content comme ça là. Hein? C'est trop content. Regardez comme il est content. Bon, maintenant tu descends. Tu descends là-bas. Tu as assez joué. C'est bon, je t'ai vu. Tu as fait ton cinéma. Si! Le goût du repos de ça. Je suis fatigué, j'ai trop de vie. Ouais, c'est que c'est d'abord parti d'abord là-bas voir telle copine qui avait accouché. Après, je suis encore parti maintenant voir. Il y avait une autre amie qui était là-bas. Après, je suis parti encore. Donc, je suis tellement fatigué. Tu es fatigué, c'est ça le travail. Tu es fatigué, tout ça travail. Quoi. Moi, je sors, je suis fatigué. Ben, j'ai servi à la société. Tu es fatigué, quoi. Je suis trop fatigué parce que si mon pays. Non, on est fatigué quand on travaille. Là, je suis fatigué. Je ne comprends pas pourquoi tu es fatigué que tu as travaillé quoi. Oui. Je suis debout. Et je travaille debout. Oh, la bourse de ça. Hey. Tout court. Bon, je vois, j'aime mon travail. Malade. Il y a à voir des numéros de balade à la mer. Je vais passer, je vais aller le week-end prochain. Parce qu'il y a tout le monde. En fait, je vais du parc là. Ouais, je joue, c'est bien le férié là. Dimanche prochain, pour réveiller, ça peut pas l'envoi de nuit. Comme la vie est ferrée. C'est que j'ai arrosé mon travail. Donc, vous voyez alors maintenant que. Allez, travailler. Je vous dis que l'écoute, le travail, c'est dur. Regardez-moi, je vais commencer, non. C'est dur. Mais, il y a quand même une fierté. Il faut surtout faire un travail que vous voulez et mettez-vous. Mettez-vous à fond. Faut pas. En fait, il faut aimer ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais, ça va aller. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, surtout qu'il fait tomber sur une bonne. Moi, j'ai une bonne équipe qui est, franchement, sont super sympas. On ne crie pas sur les gens. On se comprend. Bon, enfin, pour le début. On se comprend, mais faites tout ce que vous aimez. C'est pourquoi les formations sont importantes. Parce qu'en formation, tu peux, on t'aide pas à connaître quelque chose. Si tu vois, tu ne sens pas. Tu changes de truc. Tu as le droit d'être orienté dans ce pays ici. Il y a le boulot, hein. Il y a le boulot. Et chacun, il veut faire le boulot que toi-même tu maîtrises. Ne va pas chercher à être avocate alors que tu as fait le diplôme d'avocate. C'est ça. Je vois même les femmes de ménage sont fières d'être. Je vois ma coucou. Ma coucou fait les ménages, elle est contente. Ben oui. Fais mais ce que tu fais. Comme c'est que ce qui nous relie, nous tous, c'est qu'on est tous salariés. Nous tous sommes cotistes. Ben oui. Il faut faire ce que tu aimes. Et du coup, il se fait que quelqu'un ne peut plus tarder de venir. Il dit que c'est toi qui. Il te dit que moi je travaille, je suis un salaud. Toi tu travailles quoi? Dis-moi ce que tu fais dans la société. Oh. Où je sais que je travaille là, vous allez sauf que me sentir avec mon boulot ici. Moi j'aime, en tout cas j'aime ma chose. Remarquez bien le contact. Moi je n'envie jamais la chose de quelqu'un. J'aime ma chose. Quelqu'un n'a qu'à t'entendre en cours de faire un jour que Marie, c'est qui qui m'a dit, je te sors cachot, je te donne mon. Je te montre d'abord. Je te demande d'abord mon badge et mon. Il faut que je lave mon truc. Je te demande d'abord dans mon petit bouchon qui est obligatoire à Buffalo. J'ai tout Buffalo. Et le badge pour pointer mes œuvres, c'est Buffalo. Toi, tu fais quoi dans la vie? Toi, tu fais qui? Si tu travailles pas entre salariés, parce qu'un de deux salariés, c'est tout. Même si tu es ingénieur, moi, je travaille chez Buffalo, je suis salarié. Devant la loi, on est deux travailleurs. Tu es juge ou procureur, je suis salarié avec toi. Tu as le 13e mois, j'ai le 13e mois. Tu as le 1% patronal, j'ai le 1% patronal. Oui. Tu es chef d'entreprise, nous deux, nous sommes travailleurs. C'est ça qui est ça.
Je vous ai abandonné avec Facebook. Facebook là. Je parle maintenant de mon travail et la joie de mon boulot. Et je n'invite personne. Chacun sa chance. Moi, j'ai ma chance de mon travail. Mais je vous encourage. Allez quand même. Faites des formations. Faites des formations. Ou si tu sais que tu maîtrises un métier, va postuler. Il y a toujours le boulot. Vous savez, le boulot, hein, on ne donne pas toujours. Si tu viens de te décourager, ne vous découragez pas. Tu vas postuler, tu auras toujours des mauvaises réponses. Des mauvaises réponses. Dites-vous seulement qu'un jour, j'ai eu des mauvaises réponses comme ça. Désolé, votre candidature n'est pas retenue. Désolé, votre candidature n'est pas retenue. Tu déposes le CV. Rien, mais il y a une personne qui va t'appeler. Est-ce qu'on a aidé? Sachez que quand tu cherches, tu trouves. Moi, je ne décourage pas. Même quand vous cherchez la maison, des fois, tu déposes, tu es sûr que tu auras, après, tu ne te donnes pas. Et forcément, tu as insisté. Et ne pas sombrer. Parce qu'il y a d'autres qui ont une mauvaise, deux mauvaises réponses à faire. Moi, ne veux pas me donner. Il y a le travail. Postuler, insister. Moi, on a peut-être fait même 50 refus. Voilà que j'ai encore un entretien. Mercredi. Il faut insister. Moi, je ne veux jamais reculer. Quand tu vas, fonce droit, tête haute. Foncez toujours droit. Ne vous découragez pas. La vie, si elle. Ça ne donne pas, ça ne donne pas. Il y a un que ça va les donner, la balata. Et moi, je ne sombre jamais. Je ne suis pas lâche. Je ne sais pas si elle doit partir en bateau aujourd'hui. Non, dimanche prochain. Moi, je me décourage pas. Et mais dedans, tu avais été baissé là-bas parce que tout ce que tu as fait là-bas, la chance de c'est bon pour toi là, c'est bon. Au bout d'un moment, tu as trouvé la retraite. Oui. Ne vous découragez pas. Même en amour, tu rencontres une personne, la personne, toi, ça ne va pas. Ne vous découragez pas. Ne faites pas comme d'autres vieilles chouettes que non, je ferme les portes. Comme je suis trop dessus, je n'ouvre plus les portes. Le reste, là, tu n'ouvres pas les portes, tu vas te marier à l'aucun. Non, mais parce que mon ex m'a trop déçu. Ton ex t'a déçu que c'est lui qui t'a mis au monde. Moi, c'est moi-même qui peux me décevoir. Moi-même, ça me fait mal. En amour, ça va parce que pas ailleurs. Tiens, mais c'est moi, si vous savez, écoutez, quand vous travaillez, même, vous n'avez même pas le temps. Hein. Vous n'avez même pas le temps. Parce que quand tu penses avoir ton planning, tu regardes comment tu fais, tu n'as même pas le temps de dire que tu vas chercher. Non, tu n'as pas le temps. Oui, ça peut arriver, on est humain, mais quand tu travailles, tu as moins de. Je ne pense pas toujours à tout ce monde. Même les mariés, hein, même ceux qui sont mariés, là, même Gabriel, là, tout le temps, ils ne peuvent plus. Pour un peu, vous êtes fatigués. Même ceux qui sont célibataires. C'est peut-être quand tu parles d'une fête où vous sortez ensemble, que le temps de temps, bon, c'est vrai que le temps de temps, c'est bien d'avoir quelqu'un, mais quand tu travailles vraiment là, moi, je vous manque pas que mon travail d'abord avant. Mon travail d'abord avant. Parce que c'est mon travail qui est mon devant derrière. C'est mon travail ce qui peut me naturaliser. C'est mon travail ce qui peut faire que je dorme dans un logement. C'est mon travail ce qui peut me soigner. Vu que je puis y a une CMU qui passe derrière. C'est mon travail ce qui peut me donner les vacances payées. C'est mon travail qui est le devant derrière. Après Dieu, c'est mon travail. Parce que Dieu nous a mis au monde maintenant. Il faut faire que tu manges. Ne reste pas là, tu pries que donne le pain quotidien, mais tu dors. Même Dieu ne serait étonné. Oh, c'est simple. On est dimanche. Demain, c'est mon jour de repos. Il faut que je parte acheter demain les serviettes avec les lentes. J'aime bien attacher les misungas demain. J'aime bien les misungas bien. Mais bon, qu'est-ce que je veux manger? J'ai peur de manger pimenté, aller avoir mal au ventre devant tout le monde là-bas. Mais demain, elle va me priver quand même de manger. On a mangé hier le poulet. Bon, je ne sais pas ce qu'elles ont préparé. Bon. Demain, mon je vais commencer à faire sans que je fais mes gamelles. Comme demain, je vais faire des gamelles, je mets dans le congélateur, je mets des sacs de congélation. On va même peut-être faire même 3 ou 4 repas demain. Je mets des sacs de congélation. Quand elle rentre le soir, comme ça, il y a des jours qui finissent tard. Hein. Il y a des jours que j'arrive, je vais sur l'antenne aussi, même demain à 1h du matin. Je chauffe, moi, je mange et je dors. Ça, c'est le travail. Est-ce que depuis deux ans, ça fait combien de temps que vous voyez plus cuisiner? Je viens là, comme elle dit qu'on mange quoi? On mange du buffalo. Bah, il m'arrête de manger quoi? On mange du buffalo maintenant. Et je mange très bien. Elle décide même ça qu'elle veut manger mardi. Mardi, elle mange le saumon. Le coup, vous allez vous.
Manger le saumon. Matière dans le saumon. Norvégien, hein. Il précisait bien. Pas gros saumon. Saumon sauvage. Je ne sais même pas si c'est sauvage ou pas. En tout cas, c'est moi qui gonfle, non. J'ai mangé une bonne entrecôte. Saignante. Très bon. Très, très bonne. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût du travail. Ouais, Alice, tu travailles pour gagner combien? Combien? Est-ce que je travaille même pour l'argent? Je travaille pour servir la société. Mais il est temps de servir la société. La société nous a tant servi aussi. Maintenant, il faut aussi qu'on serve, non? Quand on voit pas comme instant, où toi tu es déjà démigré, qui nous voit à cause de vous gâter la France, qui gâte la France. On parle comme un blanc, mais pas laisse en route. Là, ma fiche de paye, là, on déduit toutes les cotisations. Ceux qui mangent le RSA, là, c'est nous. C'est nous. Ceux qui mangent le RSA, les allocations, c'est nous les travailleurs qu'on prend dans notre fiche de paye. Je veux qu'on voit le 20%. Oh oh! Mais c'est ça. C'est qui mangent les RSA, les allocations, là, c'est nous qui travaillons, qu'on prend. Allez, dis que ouais, c'est pomper la paix sans son travail. Je veux vous pomper l'air avec mon boulot comme je veux. Ouais, c'est pas votre boulot, c'est mon boulot. Ne venez pas me dire que vous êtes des hommes riches. Moi, je n'ai pas l'homme riche. Je n'ai pas la femme qui est riche. Mon chien est pauvre comme moi. Donc, si j'avais l'animal riche, c'est le genre d'animal qui est aussi riche. Donc, moi, il n'y a rien là qui est riche dedans. La seule personne qui est riche, c'est mon boulot. Donc, si tu as un boulot qui te donne l'argent, tu le vois. C'est que ton boulot est riche. C'est quel pays qu'on a bombardé comme ça? Un cassocien de la guerre. Donc voilà, je vais vous pomper les. Chacun sa chose. Est-ce que c'est pour vous? Non, non vous savez, j'aime ma chose. C'est votre mon t-shirt, c'est mon t-shirt. Je ne vous ai rien demandé. Hein? Je vous l'ai dit. Mais les quotas m'ont permis, alors on dit quoi? N'oubliez pas. On fait le dire là pour mon permis. Pas aujourd'hui, demain. Il faut qu'il fasse mon permis de côté. Parce que machin, les retours. Bon, surtout que la nuit. C'est la nuit surtout. Parce qu'il y a des jours où les gens ne viennent pas à sa une. Vous savez, les affaires de crime là me font peur. Tu marches dans la ville la nuit, il n'y a personne. Là encore, ça va. Mais vous savez, quand tu viens à minuit, il y a des jours où les gens viennent à 1h du matin. Quand je marche, là, il n'y a personne. Donc, juin. C'est même mon permis pour juin. Pour le savoir, mon boulot me concentre. Pour bien apprendre. Je dois maîtriser le plan du. Du restaurant, je dois maîtriser comme ma maison, je dois maîtriser la tablette pour sortir le code, tu le quoi, c'est QJ ou c'est quoi. Il faut que je maîtrise ça. Une fois que j'ai maîtrisé, c'est bon. Comme ça, je suis tranquille. Je ne sais pas, mais faire le permis maintenant parce que vous ne pouvez pas faire le permis maintenant. Parce que faire le permis maintenant, avec ce que je sens de l'apprendre là-bas, je ne vais pas le m'embrouiller. Mais me donne 2 mois. Ouais, je me donne 2 mois. Parce que là, je ne peux pas apprendre là-bas où j'apprends là-bas. Parce qu'on a pas été me former. Ou on me forme et je ne suis pas pour faire le permis. Je ne suis pas 2 lièvres à la fois. Je peux avoir bien m'orienter où je travaille. Je maîtrise la salle. Je maîtrise tout. Je sais comment faire pour prendre toutes les commandes et que je sois rapide comme tout le monde. Je sais ce qu'il faut faire. Je comprends tout. Là, en 2 mois, mec. À partir de 1 mois, on va me donner tout un point pour moi seul. Oui. Ah oui, c'est comme ça. Il faudrait que vous disiez quoi alors? Les chômeurs sont aigris. Où sont les chômeurs? Ah! Il y a le travail. Allez, je suis le boulot. Ouh! Le premier blogueur qui est quitté de là et allé un peu plus haut, qui travaille au Abarata, qui t'a quand même dit que ici, si ça va, Buffalo, tout le monde est à Buffalo. Si demain, j'ai dit que mes comptes, je ne peux plus rester sans travailler. Moi, ce qui est bien, moi, je m'adapte vite aussi. Hein. Moi, de la nuit, je ne me suis adapté. Et vous savez que je n'allais pas encore vous m'adapter. J'aime la fatigue. J'aime la fatigue du boulot. Oh, quand tu travailles, quand tu rentres du boulot, même quand tu marches, quand tu rentres, tu as la fierté que tu marches. Je ne comprends pas comment ma maman marche toi comme ça. Même quand elle part au boulot, elle est en train que cela. Vous savez qu'à l'époque, le RS, on s'appelait le RMI à l'époque. Ça, c'est les RMIs.
Pardon, vous tous aimez le RSA là, je ne suis plus. Vous n'avez rien demandé, vous n'excusez pas. Mais c'est ma fiche de paie qui vous donne le RSA. Ce qui est sûr, c'est ça. Voilà. Même pour arranger les outils, c'est nos fiches de paie. Nous, on les contribue à pas vous. Vous avez quand même mangé, non? Mais même pas comme il va lâcher les serviettes là-bas. Il y a les serviettes avec les longs fils là, les longs, les bois, les tests. Vous, c'est les cordes, vous, c'est les intestins. Il va attacher mes sungs ici. Demain, il va manger mes sungs. Demain, il va lâcher la serviette. Il va bien laver ici. Il va avoir le gros sel. Vous avez les longs, il faut vous voyez les testicules, les intestins là. Il faut laver le gros sel. Vous l'avez bien. Moi, il est impossible hein, qu'il lave trop sur la serviette là. Après, la serviette devient trop blanche. Non, moi, j'aime quand c'est un peu soit noir pour mon pays. Tu laves bien, mais il y a un peu le côté là que tu vois. La serviette blanche, blanche là, moi. Mais si on va être trop blanc là, moi, je ne suis pas dedans. Moi. Bon, mais si on avait fait ceci demain, il faut que mes soins fassent un peu de viande, un peu de ceci. Je mets dans les baguettes, congélateur. Mardi, me lève. C'est que si je vais bien dormir aujourd'hui. Mardi, me lève. Comment tu me lèves? Je me lève à 8. Bon, j'ai amené mon réveil à 8h45 automatiquement. Parce que je sais que je peux mettre mon chien à 8h45 jusqu'à 9h. Je me lave. 9h40, je pars. Je commence à 10. Non, je pars à 9h30. J'arrive à 9h55, 50. Temps de m'échanger. Voilà, je commence à 10h15. Et je finis à 15h30. Ça dépend. Comment tu vas? C'est comme ça. Moi j'ai mon. Ah oui, frère, je vais mon. Bon, je sais qu'il commence à 10h15. Mais par contre, quand j'arrive, ménage. Il faut nettoyer toute la salle. Il faut nettoyer les WC. Il faut vérifier s'il y a des papiers toilettes dans les WC. Il faut débarrasser toutes les poubelles. Aller mettre derrière. Il faut également. On va vérifier les tables, enlever les traces des doigts sur les vitres. Ça, on va passer au premier jour. Et on a un truc là-bas derrière qui tu mets c'est le liquide directement avec l'eau et tout. Passer la serpillère et après manger à 11h30. C'est tout. Je suis d'ouverture avec. Je crois que je suis d'ouverture avec. Béatrice, je crois. Je sais pas. Mais je pense que c'est Béatrice. Il y a aussi. Il y a Béatrice. Et puis. Non, moi je crois que moi de mon côté, c'est avec Béatrice. Béatrice, c'est une. Pourquoi elle est congolaise? Elle est congolaise. Parce que nous, on a les malgaches, on a les guadeloupéens. Les guadeloupéens, on a un camerounais qui est moi. Je suis très fier d'être camerounais là-bas parce que c'est le seul. On a un sénégalais. On a malien, on a une, enfin, on a deux Kassa, enfin, il y a une qui s'est avec les travaux aujourd'hui, elle est une Kassa italienne. Bon, on a beaucoup de français, ça c'est évidemment, et les chefs sont tous des français. On a beaucoup de blancs, oui. Mais le seul camerounais, c'est moi. Et comme elle dit, oh, bah, elle, comme elle dit, elle dit, maman, il y a un faux profil qui m'a attrapé la balle l'autre jour. Eh bien, une maman, elle me regarde, elle fait Marisse, courage. Elle dit merci, toi c'est même le pourboire, elle m'a pas dit. Elle est au profil. Elle m'appelle Marisse alors que c'est écrit sur Raphaël. Ouh, mettez les cœurs pour le faux profil là. Marisse, même tu es parti, même pas me donner le pourboire. C'est vrai, plus, il y a des reconnaissances à mes amis. Il y a une maman, une camerounaise qui est mariée à son papa, pas camerounais. Elle me regarde. Quand même, elle travaillait, j'étais marrant. Elle me dit, ouais, attends, ça va voir, elle courage. Je dis, merci. Dès qu'elle passe le reste, elle sourit, même pas en pourboire. Oh, papa, les Camerounais, ont. Papa, 2 euros. C'est vrai, mais faut la maman, elle vient, elles sont chaudes. Je ne sais pas, c'est ça hier.
J'ai son profil, hein. Non. Marie. Même pas un euro. Je vous dis, les contacts, si vous me croisez un jour à Buffalo, donnez-moi le pouvoir cacheté. Donnez-moi la main, mon pouvoir. Mais elle souriait quand je passais, c'était mignon. Bon, c'est pas moi qui m'occupais d'elle. C'était. Hier qui s'occupait d'elle. Qui s'occupait d'elle hier? Oh, je sais même plus. Elle m'a rien donné. Mais bon, elle donne si elle veut son pouvoir. Hein. Mamie, tu peux venir. Moi, je vais couper même. C'est tout. Mais en tout cas, c'est tout. Notre travail est bien, ce qu'on fait. Et je demande beaucoup la jeunesse et beaucoup des jeunes de prendre l'exemple sur moi. Je sors de certaines facilités pour aller travailler. Et je vous assure que c'est la sûreté. Le travail, c'est l'assurance. Tous les mois, tu as ton salaire. Toutes tes heures sont comptées. Au moins, tous les mois, tu as ton argent. Quand on ne vous dit pas que la vente de piment, c'est faux. Le piment, les femmes, les pimentières, les pimenteuses, les pimenteurs souffrent. Je vous dis la vérité. Quand on ne vous dit pas que la vente de piment, elles souffrent la malata. Parce qu'il n'y a pas d'assurance. Tu es sûr que tu as le client. Homme comme femme. Travailler. Même si le ménage, allez travailler, vous allez voir. Même tu vas encore chambre là, c'est un peu grave. Mais chaque mois, chaque jour que tu vas ton boulot, tu vas attendre quand tu vas ton compte. Il y a le nom de ta société, c'est ta paye. Et puis c'est des jours. Demain, c'est la noël. Il y a plein de rendez-vous à une maman pour faire changer. C'est ça, je vous laisse les contacts. Ça, je suis fatigué, non? C'est la partie du travail à l'autre. Et je travaille un travail pénible. Je dis que mon travail est pénible, mais j'aime mon boulot. Parce que je reste debout. Je suis debout avec les plateaux. Je suis debout. Donc, il faut qu'on. Il y a boulot et boulot. Moi, mon boulot est pénible. Fap, 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 fap. Bonjour, bonjour. Il faut toujours sourire. Et comme j'adore le sourire. Oh. Et mec, bon. Nos tables que moi, là, les clients en général, ils adorent ma façon d'être. Mon accent les fait rire. Enfin, pas mon accent, mais ma façon d'être et tout. Tout à l'heure, il y avait un anniversaire d'un petit enfant, il s'appelait. Il s'appelait. Je crois que j'ai même confondu son nom. Il s'appelle Lazaro. Mais moi, j'ai dit Azaro. J'ai dit, joyeux anniversaire, Azaro. Après, ma collègue a fait Lazaro. Je me dis, oui, Lazaro. Et ça, ma mère était morte de rire. Non, c'était bien. Si, c'est. Bisous. Demain, on va attacher les missions, je pense. On va attacher mes soins demain. Je vous aime. On va attacher mes soins demain. Si je ne promets rien, en fait, si tu trouves pas que rien à cacher, rien. Donc, elle ne t'est pas venu voir les soins. Allez voir le bout en bas. On va pas les soins. Donc, voilà. Bisous, bisous.